بسم الله الرحمن الرحيم. عيد مبارك، عيد وناكسن، بون فيت، تو مي فو مي شير كومباتريوت فرير اي سور دي جيبوتي. Aujourd'hui, nous sommes le 23 mai. C'est un samedi 2020. Et cet appel vous vient depuis Londres. C'est votre compatriote, votre frère, Sultan Abdallah de Berkale, qui vous envoie ce message. Et il s'adresse tout particulièrement au peuple de Djibouti. À vous tous, mes chers compatriotes, en ce jour de fête mondial pour les musulmans, je vous dis, il y a encore un espoir. Il y a encore une chance de pouvoir sauver le peuple de Djibouti, la République de Djibouti. Il y a encore une chance. Ne désespérez pas. Ayez confiance en bon Dieu. Ayez confiance en vous. La victoire est proche. Inch'Allah. Mes chers compatriotes, le sujet de ce soir, il sera vraiment très bien, assez chaud, et surtout, comme d'habitude, vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous allez apprendre une certaine information que tout le monde se pose, que tout le monde le murmure. Personne n'a encore osé en parler publiquement. Voici le thème de ce soir dont on va débattre, Inch'Allah. Premièrement, près d'un demi-siècle, presque 50 ans, quel est l'héritage du gouvernement de M. Hassan Goulé, paix à son âme, et celui de l'actuel sanguinaire Ismaïl Omar Guelleh? Quels sont leurs héritages? C'est une question que tout le monde se pose. Et on va en débattre ce soir pour que le peuple de Djibouti puisse écouter la vérité et surtout qu'il puisse être témoin de l'histoire. Deuxième question. La société djiboutienne, pourquoi elle est pervertie intellectuellement et psychologiquement? C'est une question que tout le monde se pose. Pourquoi il y a cette perversion à ce stade? Quel est ce côté individualiste du chacun pour soi cultivé au maximum? Ce mot que l'on entend partout à Djibouti. Mahaïga Galé. Mahaïga Galé. C'est une question que tout le monde se pose, la question. Chez les Afars, ils disent Touhina. C'est pas grave. Maya, les gars. Je connais pas. Mafala. Oui. Ce sont des questions qui reviennent continuellement.
quatrième question, comment réajuster une société qui a perdu la notion de responsabilité, la confiance en soi-même, la confiance aux institutions du pays et à l'état de droit? Oui. C'est une question que tout le monde se pose. Pourquoi? Comment retrouver le sens des responsabilités après tant d'années de formatage intellectuel, physique et mental? Sixièmement, comment restaurer le rang, l'honneur et le respect strict de la fonction confiée, bien après avoir vécu sous le règne des Warabe Koroye, Kalaye et autres criminels alimentaires qui ont détruit le pays? Septième question, ils ont laissé tellement de séquelles, effectivement, psychologiques, qui est ancré dans la mentalité de la majorité djiboutienne. Ah oui. Huitième et dernière question. Comment fusionner les intellectuels sincères, les opposants sincères, les vrais hommes politiques, pour combattre cette dictature à l'unisson et montrer la bonne volonté des uns et des autres, y compris de mon côté, Inch'Allah. Voilà. On va débattre de toutes ces questions-là et c'est des questions qui sont vraiment très intéressantes.